Bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire la présentation d'un jeu qui est devenu extrêmement rare, car déjà ancien, qui n'est donc plus édité et que j'avais repéré et que je suis absolument ravie d'avoir dans ma collection, parce que là c'est vraiment mon côté collectionneur qui ressort. Vous savez que je suis très souvent sur Vinted, même si j'essaie d'y aller plus trop pour le moment, parce que je suis beaucoup trop tentée en fait. Quand je vois des occasions intéressantes, c'est mon côté, c'est ce côté collectionneur, c'est ce côté dénicheur, qui est ancré en moi, qui fait partie de moi, de pouvoir trouver les meilleures occasions. Parfois, je tombe sur des trucs, et j'hallucine moi-même, en fait, de ce que j'arrive à trouver. Souvent, je ne peux pas résister, en fait. Donc, il vaut mieux que j'y aille pas. Mais là, je ne sais pourquoi, j'ai été guidée à y aller un jour. Et j'ai déniché ce jeu qui se revend généralement à peu près à 100 euros, on va dire. Il est proposé à 100 euros, voire un peu moins ou un peu plus selon les vendeurs, et que j'ai réussi à dénicher à 14 euros. Donc je suis vraiment, mais vraiment ravie pour ça, parce que c'est vraiment mon côté collectionneur qui se réjouit là. Vous savez, c'est un petit peu, en fait, vous savez pourquoi? C'est parce que je le relie à cette espèce de magie aussi de l'enfance, enfin, de cette conception de la magie que j'avais quand j'étais enfant. Et je vois bien que en ma fille, qui certes est pré-ado, mais qui a gardé quand même encore un petit peu ce côté-là, c'est comme ça quand on est enfant et qu'on voudrait bien quelque chose, on se dit qu'on va l'avoir, qu'on va le trouver. Et on n'entend pas le discours des grands, des adultes qui vous disent « Oh, mais ça coûte beaucoup trop cher, on ne pourra pas, on ne peut pas se permettre ça, etc. » Et ce côté en moi, collectionneur comme ça, quand je recherche des jeux, eh bien, il est un petit peu réactivé. Et la magie opère, parce que ce n'est pas la première fois que je suis tombée sur ces occasions-là. Donc, je vous le dis, je sais que Romilou, elle a déjà dit aussi, ayez parfois la patience pour un jeu que vous voulez. La magie, elle peut opérer. Je sais que Romilou, comme ça, a réussi à trouver le tarot des contes de fées de Lisa Hunt en français, dans un état impeccable. Et elle, bon, moi, je ne connais pas le prix qu'elle a payé, elle ne l'a pas dit, mais elle est vraiment tombée sur une occasion exceptionnelle. Donc, gardez la foi quand vous voulez quelque chose. J'ai ici, à peine quelques jours, trouvé un jeu que je ne pensais peut-être même pas pouvoir avoir un jour. Bon, là, je l'ai payé vraiment son prix, hein, par contre. Mais quelque chose m'a poussé à l'acheter. Ça veut peut-être dire que je ne pourrais pas, pour celui-là, avoir cette occasion de le trouver à un prix bien moindre. Donc là, je l'ai vraiment... J'ai un peu fracassé mon compte en banque, en fait, pour me le payer. Mais, c'est encore une fois, c'est mon côté collectionneur. J'ai réussi à dénicher ce trésor. Parce que c'est dans ce sens-là que je vous le présente. C'est, ah ça y est, j'ai ce trésor dans ma collection. Donc maintenant, je vous parle du jeu. Ça s'appelle donc le tarot runique. Et ce n'est pas un tarot. Il est donc de Caroline Smith et John Astrop. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez deux autres jeux de ces créateurs et qui sont, eux, pour le coup, encore disponibles en français, qui est l'Oracle du Soleil et l'Oracle de la Lune. Et donc, ce sont des coffrets qui sont encore tout à fait disponibles. Et il y a même le tarot des quatre éléments, qui est sorti très récemment, que je n'ai pas encore. Je pense que je l'achèterai aussi, celui-là.
mais il est encore plus récent que les deux autres. Et bah ceux-là, ils sont encore totalement disponibles en français parce qu'ils viennent seulement d'être édités. Donc vous pouvez vous les procurer et vous retrouverez un petit peu le style. Alors, ce qui m'a bien attiré dans celui-ci, c'est que bah, vous le savez, je vous ai montré dernièrement des jeux sur les runes que je me suis procuré. Donc c'est pour ça que je le trouvais intéressant. Bon, c'est une vieille boîte et vous voyez, c'est absolument pas pratique parce que vous l'ouvrez comme ça et vous avez vos cartes qui sont là, puisque les cartes se rangent ici. Mais elles ne sont pas maintenues. Je pense que je mettrai un petit élastique pour maintenir les cartes ensemble au moins. Alors, ce que j'ai trouvé de très très intéressant, je ne l'ai pas encore travaillé et donc je n'ai pas du tout regardé non plus, je n'ai pas eu le temps de regarder le guidebook. Donc voici le dos, je profite pour vous montrer le dos. La qualité est pas mauvaise du tout pour un ancien jeu. Les cartes sont relativement épaisses. C'est que on y trouve aussi les sabbats, mais ils reviennent sur plusieurs cartes. Donc il y a certainement plusieurs visions du sabbat et donc je me réjouis de me plonger dans le bouquin pour voir tout ça. Donc, je vous le montre quand même un petit peu. C'est pas très pratique parce que du coup il est collé, vous voyez. Il est collé vraiment au support du coffret. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas simplement glissé parce que ce serait plus facile. Et donc là on a le coffret, donc il faut laisser le coffret à plat en fait. Voilà, je vais essayer de voir si je retrouve. Donc il date de 2003 et il a été traduit en 2004. Donc chez Trédaniel. Donc vous avez la table des matières. Donc vous avez d'abord les runes, vous avez les saisons. Et donc ben dans les saisons, vous avez du coup les sabbats. Alors on vous propose des tirages et puis il y a des remerciements. Donc il y a tout un paragraphe sur les runes. Il faudra que je le lise. Je vous dis, je ne l'ai pas encore fait. Et du coup, je vais utiliser ce jeu-là aussi en rapport avec mon petit jeu sur les lapins et les runes. Et puis j'en ai acheté un autre que je voulais justement utiliser cet hiver parce que je trouve que les cartes ont vraiment une énergie d'hiver. Donc l'oracle des runes des légendes du Nord. Et j'ai encore un autre jeu sur les runes de chez Los Carabeos, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, je vais un peu utiliser tous ces jeux ensemble pour approfondir un petit peu le sujet des runes. Donc, les runes et le tarot. Donc, les arcanes majeures, mais qui sont pas. Ça ne va pas correspondre aux arcanes majeures du tarot, hein. En fait, les arcanes majeures, ce sont les runes. Ici, bien sûr. Vous voyez, puis il y a la description. Donc, vous avez des mots-clés, vous avez un rapport astrologique qui est, je pense, la spécialité de ces créateurs, hein, puisque dans l'oracle de la Lune et l'oracle du Soleil, vous avez toutes les références astrologiques. Vous avez un verset, donc, qui est en lien avec la rune. Puis vous avez tout le développement, hein, la description. Vous avez des individus ou événements symbolisés par cette carte, donc pour faire un petit peu de la divination. Puis vous avez dans un tirage et vous avez même la signification renversée. Donc on a ça pour toutes les cartes. Alors les arcanes mineures qui sont donc les cartes de saison et donc les sabbats en lien avec les éléments, comme vous voyez, hein. Donc pour le feu, pour l'eau, pour la terre et pour l'air. Voilà, donc vous avez l'équinoxe de printemps, Imbolc. Vous avez plusieurs cartes, vous voyez. Pour Imbolc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Voilà, vous avez 12 cartes. Ensuite, vous avez le solstice d'été, puis vous avez Beltane. Et donc, je suppose que nous avons aussi 12 cartes pour
pour Beltane. Hein. Je suppose que la structure du jeu est équilibrée. C'est ça. Puis nous avons l'équinoxe d'automne. Puis nous avons l'Ugnasad avec 12 cartes aussi, j'imagine. Et puis nous avons le solstice d'hiver. Et nous avons Samhain avec 12 cartes également, j'imagine. Voilà. Et puis nous avons les tirages. Voilà. Je n'ai pas creusé plus que ça le livre. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Et sur les cartes, eh bien, nous retrouvons vraiment le genre d'illustration que l'on peut trouver, et même le genre de structure de cartes, hein, avec des symboles tout autour de la carte, en dessous, puis dans l'illustration, puis ce petit cadre avec, voilà, quatrième semaine de novembre, voyage, famille, par exemple. Et le style d'illustration est le même que sur les autres jeux de ces auteurs-là. Donc ici, évidemment, c'est une carte de rune. Donc nous avons en plus le symbole de la rune. Voilà. Imbolc. Une carte de Beltane. Une de Lugnasad. Encore une d'Imbolc. Une autre de Lugnasad. Encore une autre. Une de Samhain. Une autre. À nouveau Lugnasad. Donc il n'est pas dans l'ordre. Hein. Je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Une de Beltane. Je vous le montre vraiment comme il est arrivé. Imbolc. Encore Imbolc. Une autre de Lugnasad. Très très belle celle-ci, je trouve. Regardez. Oui, donc je pense qu'en fait, le but est de couvrir avec le sabbat toutes les semaines qui vont d'une période à une autre, d'une date à une autre. Puisque là, vous avez deuxième semaine de septembre et puis vous avez troisième semaine d'octobre. Il peut peut-être même permettre de dater, je ne sais pas. C'est quelque chose que je ne fais pas. Mais je pourrais par contre mettre en lien la carte avec l'énergie. Pourquoi pas, par exemple, je ne sais pas si ça couvre toute l'année, il faudra que je regarde, mais pourquoi pas quand je vous fais les énergies de la semaine, vous sortir aussi la carte et voir ce qu'elle nous dit. Par exemple, quand je vais vous faire les énergies de la deuxième semaine de janvier, pourquoi pas, voilà, dire nous sommes dans une énergie aussi de loi, de règlement. Et vous voyez, c'est l'énergie de Samhain qui perdure encore ici dans cette deuxième semaine de janvier. Donc, c'est assez... c'est assez particulier puisque ça va aller jusque Imbolc. Et donc, par exemple, Yule n'apparaît pas. Donc, c'est un système particulier. Hein. Mais je n'ai pas lu le livre, donc je ne pourrais vous dire exactement. Mais si je décide de faire intervenir ces cartes dans les énergies, je lirai bien entendu parce que vous retrouvez quand même, voilà, la carte de Yule. Hein. Solstice d'hiver, on l'a. Hein. Mais pour eux, l'énergie, vous voyez, du sabbat précédent va perdurer. Je suppose que c'est ça l'idée. Et si je décide de les utiliser, je creuserai évidemment totalement avec le livre et je vous expliquerai. Je verrai bien, je ne sais pas. Mais ça pourrait être intéressant. Parce que ça pourrait être quelque chose qui ne vous est pas présenté sur d'autres chaînes pour ne pas faire des redites. Je vous ai dit que j'avais hésité à reprendre les guidances, me disant il y en a tellement, il y a tellement de guidances sur Internet maintenant que si vous devez regarder les guidances, bah vous faites rien de votre vie en fait. Donc elles vont vous servir à rien du tout les guidances, parce que vous allez passer toutes vos journées à regarder les guidances. Donc je me dis si je peux proposer quelque chose d'un petit peu différent.
Pourquoi pas? Donc, de leur jeu, de Caroline Smith et Jonas Strop, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'énergie des couleurs qui s'en dégagent. Ça, c'est dans chacun des jeux. C'est pour ça que j'ai acheté les autres. Parce que j'aime beaucoup l'énergie des couleurs utilisées. Même si je suis en fait aussi quelqu'un qui adore les coloris pastels, hein, je vibre très, très, très fort à ça. J'aime bien ces coloris assez prononcés aussi qui me redonnent vraiment beaucoup de peps en fait. Et donc les dessins ont un petit côté art naïf comme ça, légèrement aussi médiéval qu'on peut trouver dans d'autres de leurs jeux aussi. C'est assez particulier. Mais je trouve que ce sont des jeux très intéressants. Et je vous dis rien que pour la collection. C'est certain que quand je l'ai vu passer, il m'a pas fallu 2 secondes pour me décider. J'ai juste vérifié qu'il était en état, qu'il n'était pas incomplet, que c'était pas éventuellement une contrefaçon. Mais de ces vieux jeux-là, vous n'en trouvez pas hein, des contrefaçons. Donc quand c'est des vieux jeux, n'ayez pas trop de crainte. Ils n'ont pas été contrefaits puisque généralement ils n'ont pas été imprimés en Chine, donc les revendeurs chinois n'ont pas les fichiers. Ils ne peuvent donc pas en faire des contrefaçons. Mais quand j'ai vu qu'il était complet et de plus en bon état, ce qui est absolument le cas, en 2 secondes, je l'avais acheté. Surtout qu'à ce prix-là, on hésite moins. L'autre jeu dont je vous parlais, que j'ai acheté, j'ai quand même eu un petit moment d'hésitation, qui m'a d'ailleurs coûté 10 euros. Parce que je l'avais vu sur Vinted. Et il y avait bien une photo, hein, avec la main de la vendeuse. Et donc je me dis, oh, c'est la version avec les grandes cartes. Mais pour être sûre, j'ai pris la peine de demander à la vendeuse. Or, j'étais au travail parce que je l'ai repéré pendant que je prenais mon café au travail. Et donc, j'envoie un message pour qu'elle me confirme. Et donc, quelques temps après, je vais voir. Elle m'a répondu. Et je vais voir qu'elle me confirme. C'est bien les grandes cartes. Entre-temps, elle avait augmenté de 10 euros. Mais je l'ai quand même acheté parce que c'est mon côté collectionneur. Et que je le voulais trop. Mais je vous le présenterai quand je l'aurai reçu. Parce que pour le coup, là, il est en route vers moi. Je ne l'ai pas encore reçu. Mais comme là, je vous tourne une tonne de vidéos à la suite, je ne sais pas quand je vous les posterai. Il est très probable que quand vous verrez celle-ci, j'aurai déjà reçu l'autre jeu. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais absolument pas comment je vais faire. Parce que là, je me retrouve avec énormément de vidéos à vous poster. Mais c'est chouette parce que je sais que pendant le temps des fêtes, je vais être très très occupée. Donc, je n'aurai pas le temps de les tourner, peut-être. Mais elles seront prêtes et je pourrai continuer à vous en mettre une par jour. Ce qui va quand même être sympa. Et après, je vous prépare celle de Noël. Et si ça se trouve, quand vous verrez celle-ci, on sera déjà quasiment à Noël. Et donc voilà pour la dernière carte de ce jeu qui s'appelle donc le tarot runique, mais qui n'est pas un tarot puisque il ne contient que 76 cartes, donc 76 cartes, et c'est pas une erreur, on est bien d'accord. C'est voulu et vous voyez bien que ce n'est pas du tout un tarot. C'est bel et bien un oracle, mais qui est donc, je pense, très 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 intéressant. Je me réjouis de m'y pencher, vraiment, réellement, je me réjouis de m'y pencher. Voilà donc pour la présentation du tarot runique de Caroline Smith et John Astrop. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner.
Mettez-moi un petit commentaire si ça vous a plu, si vous le trouvez intéressant, si vous avez les jeux de ces autres, les autres jeux de ces mêmes créateurs, si éventuellement vous avez la chance d'avoir ce jeu dans votre collection aussi, parce que c'est possible, hein, il y en a fatalement qui l'ont, hein, il y en a qui l'ont acheté à l'époque. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, bye bye!